Bon matin! J'ai bon matin, les amis, à maman! Ça marche? Oui! Oh, j'ai des coutoutous, il ne s'est fait flatter! Oh! T'aimes ça, tu te faire flatter comme ça! Oh, j'ai bébé! Oh, j'ai une couille bébé, c'est... Oh, j'ai belle pâte! Maman, peux-tu te manger les pâtes? Noum, noum, noum. Hé, petit saucisson. Dis-tu un petit saucisson? On va aller faire des tricks. Regarde. Non, vas-y, ici. Oh, dis-moi, c'est toi qui as tombé, hein? Vas-y. Vas-y, bonne fille. Ensuite, assis. Ensuite, couché. Non, tu es capable. Assis, couché. Wouhou! Hey. On va te donner la patte, bravo! Non, attends. Donne nos pattes, non, les deux pattes dans la main. Oh, maman, je sais plus quoi tu veux. Et l'audio, elle a roulé avec moi, c'est assez drôle. Merci. Ricardo Francisco. Oui, c'est parfait, mon amour. Est-ce que tu veux me dire si c'est sucre, ça? Ça, c'est de l'eau. Ok. Non. Ouais, puis je vais le boire. C'est de l'eau de vie. Mm-hmm. Non. L'autre fois, il a préparé les crêpes dans le dernier vlog, oui. C'était pour voir le jeu. Mais le papa, il c'est fait. Bon? Non, t'as dit que c'était pour voir le jeu. Tu me donnes assez de crédit pour dire que c'était bon. Non. Mais là, il faut papa, il fait des bons pains dorés, oui. Noum. Ouais, t'as tout plein de boss dedans. J'espère que t'as pas mis le tamis là-dedans. Non. Oh. That's the way I like it. That's the way I like it. Ça va pas être bon. 10 japs, ça va être bon. Comment tu japs? Ça va des fraises, mon chéri? Ça va des fraises, mon chéri? Oui, c'était beautiful. It's so beautiful. Oui, it's so beautiful. Oh, j'ai bébé. On va aller voir si nous sommes au café du coup. Oh, presque, il est bon. Hello! Bon matin! Bon lundi matin, je viens de sortir dehors, donc vous voyez dans mes lunettes que mes lunettes sont brunes. Brunes. Donc ça veut dire qu'il y a plein de rayons UV dehors.
Et je vous jure, j'ai juste un petit peu émolli. Et j'ai déjà de la couleur, donc je me suis crémée de crème solaire. Celle-là que j'avais achetée au Jean Coutu l'autre fois. Non, Shoppers. Je l'aime beaucoup, la Avène. Puis j'aime le stuff là, pour après aussi, là, genre le lait après soleil. Et là, il est 9h35. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ce matin, je vous ai parlé, mais je vous ai pas dit coucou, vraiment. Et les pâtes d'oreille à Francis étaient super bons. On a très bien fait ça. De matin en matin, ça s'améliore. Mais là, changement de plan, changement d'horaire. Il n'y avait rien à mon horaire, à part que c'est la fête à ma belle-mère aujourd'hui. On va aller souper au chalet avec toute la famille. Mais en attendant, je faisais rien. Et mon amie Véro m'a dit « Allô, mine, tu fais quoi? Viens nous voir. » J'ai embarqué dans la douche. I'm ready to go. Et c'est ça. Donc, je vais apporter ma crème, ma plug de sel et de montre parce que j'ai plus de batterie. Un beau petit chapeau. Mais là, avec mon bandeau, ça n'a pas rapport, là, mais... Hello, cutie! Je m'appelle Mine. Je m'appelle Mine, je porte des chapeaux. Mais si jamais on va, si on relaxe genre dehors ou si on va sur une terrasse ou si... Regarde, toutes sortes d'options parce que moi je brûle beaucoup du fait de la tête. Genre mon crâne est comme la couleur de tout, tu sais comme la ligne ici là, il est la même couleur que mon bandeau. Et mon téléphone, je vais apporter fausse route. En tout cas que je prenne fausse route puis je suis prise sur le bord du chemin, non c'est pas vrai. Mais genre en tout cas que... Il y a un moment que je suis seule, je sais pas, que je décide de m'arrêter sur le bon chemin, je sais pas. Et c'est ça, je vais mettre ça dans mon petit chapeau. Sinon, ben j'ai mon sac et je vais me faire une bouteille d'eau. Et nous allons être... Ben, et nous allons... Moi, je vais être prête pour partir. Je vais me faire une petite bouteille d'eau dans ma bouteille de girafe. Je pourrais me faire un petit matcha, quelque chose, mais je viens de boire un café glacé. Faire une bonne grande bouteille d'eau comme une grande fille. Y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant? Le gros soupir. Y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant qu'une bonne grande bouteille d'eau, genre froide? Je capote. Donc là, je vais aller mettre un petit moulin dans le cache. Je vais lui donner une petite traite. Et je pars vers la péninsule acadienne. Et je pense que je vais mettre un podcast. Le seul temps que je mets des podcasts, là, c'est rare, j'en mets. Genre, j'écoute des bouts ici et là. Là. Mais comme je suis vraiment attentive et que je l'écoute au complet, c'est quand je vais, quand je prends la route comme ça. Mais avant, quand j'allais aux études, ben je prenais souvent la route. Mais là, vu que je suis plus aux études, ben on dirait que je prends, c'est rare, je prends une longue route seule, tu sais. Puis ouais, donc là, j'en ai profité. Je vais regarder si j'ai du temps, on a des nouveaux. J'aime beaucoup ces podcasts. Oh, putain! J'ai réalisé que j'avais une petite fleur ici dans mon pot. J'étais comme, mon Dieu, il y a une fleur dans mes magasins. Ça, c'est des roses. Mais, je sais pas si vous voyez ces fleurs-là, genre, sur votre terrain l'été ou comme un petit peu partout. Mais je trouve ça assez beau, moi, comme un beau bouquet de ça. Puis là, on marchait, puis je dis à Francis, je dis, oh, j'ai trouvé ça assez beau, ces fleurs-là. Puis genre, quand on revenait, genre, quand je gardais pas, il prend une grosse grappe, là. Il dit, tiens. Digne d'un film romantique. Donc je vais aller mettre mon lit et on se parlera plus tard dans la journée. Je vais même vous montrer des petits bouts là. Je sais pas si la petite Guérite et la Véro vont faire des apparitions, mais peut-être, peut-être pas. Mais je vais bien vous filmer des petits bouts quand même. Quelle belle journée! Wouhou! À tantôt!
droite comme une petite sauce quoi. Ouais, ah, bien. Bon appétit, les chiens. Bon appétit. Salut les amis! Ouh, il est 3h30, je pars vers la maison et il fait 36 à mon auto. Je suis arrêtée au Grain de Folie me chercher un petit latte au caramel et j'avais pas le choix parce qu'à chaque fois que je viens à Caracas, j'ai pas le choix d'arrêter au Blanc d'Arcadie me chercher du fromage et vous comprenez pas là, comme ils sont trop cute, ils sont genre comme 5-6 là-dedans qui sont en train de faire des sacs de fromage. Et ma saveur favorite, c'est vraiment érable, poivre et chipotle. Genre, c'est le meilleur fromage de la planète entière. Le fin d'herbe est vraiment bon, en tout cas. Barbecue puis le plain aussi, là, mais non. Je vais pas tout manger ça, je vais en manger comme 2-3 morceaux, là. Mais il y en avait pas. C'est comme j'ai pas passé commentaire, là, mais dans ma tête, je suis comme, non. Mais là, j'allais pour payer. Non, ça va pas d'ailleurs. J'allais pour payer. Puis le monsieur. Oh, désolé la musique, mon doux. Grosse musique de métal. Le monsieur venait de n'en mettre. Genre, il venait d'apporter 3 sacs. Il a pris 2. Ça n'a aucun bon sens. Il goûte les rats, mais genre, il y a vraiment comme les chipotelés en arrière. Puis là. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait squitch squitch au bout. Comme ça peut pas plus être frais que ça, comme genre il est encore chaud. Je capote ma vie. En tout cas. Désolée, je vous montre mes dents puis je vous fais squitch squitch là, mais ça valait la peine. Je capote ma vie. J'ai trop passé du bon temps avec Véro puis Guérin. C'était vraiment fun de voir mes amis d'amour. Et là, je pars vers la maison car bientôt, j'ai un souper pour la fête à la maman, à Francis, ma petite belle-mère d'amour. Donc, tantôt, je suis passée genre vers comme Allerville, blablabla, pour se rendre pour Trocadie. Puis là, je fais Caracas, genre je fais le grand tour parce que moi, j'adore passer au bord de l'eau. Donc, on se reparle rendu à la maison. Je fais de l'eau, j'ai pas d'allure. Oh, est-ce que t'es contente de revoir maman? Oh, moi je pense que oui. Oh, tu t'avais ennuyé de maman? Oh, oui, moi j'avais été passer la journée avec ma tante Guérette, avec ma tante Véron, et bien avec ton cousin Jackson. Oh, et j'aimerais rencontrer toi Jackson. Oh, j'ai bébé. Et moi, maman. Oh, mais c'est content, c'est content. Oh, c'est content. Oh, oh, je dis donc. Regardez, Francine. Francine a dessiné pour la paix dans sa mère. Trouvez-vous ça, garçon? C'est assez fou. Bouti bébé. Bouti bébé.
pour la première fois aujourd'hui de vive voix. Qui suis-je? Je vous ai même pas dit bonjour. Je vous ai montré des petites parcelles de ma journée. Tu veux-tu dire bonjour? T'as pas vu? Les amis qui ont pas vu aujourd'hui. Oh, mais j'ai été trop belle. Oh, j'ai bébé. Il est 8h30, j'arrive du yoga à la plage. Et non, c'est pas beau ça. Oui, c'est trop fun. Il faisait 52 degrés à la plage. Non, mais pas vrai là, mais il faisait quand même chaud, mais il y avait du vent semi-chaud. Semi-fun. Oh oh! Oh oh oh, non. Du vent, ça faisait du bien, puis c'était trop relaxant. Je suis allée avec ma cousine, sa belle-sœur était là, mon amie. Après, mon amie Anna et sa mamie étaient là. Merde, je vais juste la laisser faire, en train de mordre ma petite plante. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai passé une trop belle journée avec ma mamie. Puis on est allé à l'arrivée ici, puis là, elle dit, je te donne des choix. On m'a donné plein de choix de manger. Mais moi, j'aime pas ça choisir. Genre, moi, je suis terrible. Je suis une vraie de vraie balance. Tu sais, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui est comme full dans l'astrologie puis tout ça. Mais j'aime quand même comme quand les gens me parlent de des affaires. J'aime ça comme entendre puis comme découvrir des choses. Mais dans mes caractères de balance, tu sais, je suis une pure et pure balance. Tu sais, je peux pas prendre des décisions. Trop de choix, c'est difficile. Moi, j'aime comme suivre. J'aime comme quand les gens se décident. Tu sais, comme... Ouais, je suis comme ça. Mais, comme si ça me tente pas de faire l'affaire, je vais le dire. Là, comme avant, je le disais pas, maintenant, je le dis. Mais, tu sais, comme là, ma maman m'a donné plein de choix. Elle dit, j'aimerais cette ta journée, mais tu sais, c'est too much. Too much for me. Puis, ouais, on est allé au Moulin à Café à Charlot. C'est tout près de la cantine, là, où est-ce que je suis allée une couple de fois, là. Trop nous, chez Phil's Kitchen. Puis, ouais, donc là, on est allé au Moulin à Café. Mes parents sont allés quand même assez souvent. Puis moi, on dirait, ça juste, je sais pas, ça a jamais donné. Puis, c'est vraiment cute, là, tu sais, il n'y a pas de place à s'asseoir, là, depuis la COVID. C'est vraiment tout petit mini, là. C'est une petite madame, elle a genre 72 ans, là, puis... Je pense qu'elle cuisine encore, puis il y a une chef aussi avec elle. Et ils font des dessins, ils font toutes sortes de choses, ils font des spéciaux. Moi, j'ai pris des taquitos, c'est trop bon. Et moi, je prends des taquitos chez Frenette dans les sacs à 10$, là. Des fois, c'est genre comme... Comment l'expliquer? Si vous savez pas c'est quoi ces gens, c'est comme un pain pita avec la viande hachée ou des fois, il y a du poulet. Puis c'est roulé, là, mince, c'est comme... Tu sais, là, j'ai un couteau dans les mains, là, puis j'ai ouvert un colis, mais tu sais... C'est tout petit, là. Mais là, c'était vraiment bon. Mais vous l'avez vu dans le clip, là, je vous ai montré tantôt. Mais c'était un beau gros roulé. Et ben après, quand on est revenu à la maison, on est allé à l'auberge. On a pris une petite drink. J'ai pris mon bon chai. Puis, ouais, c'était vraiment bon. C'est une belle petite journée avec ma Molly. Avec ma mommy. Puis après ma journée avec ma mommy, j'avais hâte de voir Molly. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'était un beau 2 jours. Une belle journée hier avec mes amis, comme vous avez vu. Je vous en ai pas reparlé, je crois. Molly, c'est assez. Ouais, donc je sais pas ce que je disais avant mon intervention avec Miss Molly. Le soir, elle avait un petit démon, c'est comme un petit requin. Oh, elle avait mort. Elle veut faire ses dents. Ses petites dents de requin. Mais ouais, donc c'est ça, yeah, c'est une belle journée avec mes amis d'amour. Je sais pas si je vous ai fait comme un petit review, mais on est allé genre au Chic Shake, c'est un petit restaurant à Tracadie. J'avais jamais été là. C'est ça, au Chic Shake. Puis la poutine aux champignons, puis la sangria était juste trop bonne. Donc c'est certain que j'aimerais aller à nouveau. Puis c'est juste plaisant de voir mes amis d'amour, là. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Véro. Donc c'était pas mal ça, un petit wrap-up, puis après, c'était, comme vous avez vu, j'ai eu une belle soirée avec mes beaux-parents, c'est la fête à ma belle-mère, puis on a écouté les Canadiens dehors, comme c'était trop fun, ouais.
Donc, c'était vraiment des beaux petits moments de bonheur. Je suis vraiment reconnaissante. Puis moi, tu sais, moi, j'ai l'été de congé. Ben, tu sais, quand ça, ça pas... À pas ça, donc c'est plaisant de comme tu peux me trouver d'autres personnes à faire des petits plans, là, des fois ça fait du bien. Molly Boudreau, lâche la plante à maman. C'est pas les jouets ça à toi. Non. Joue avec tes jouets. Molly, joue avec tes jouets. Oui, ici. Regarde. Non, ça c'est plaisant. La plante à maman, c'est caca. Désolée pour mes petites interventions avec Miss Molly. Mais, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est le fun d'avoir des petits moments, des beaux petits moments de bonheur. Hello, on se retrouve quelques temps plus tard. Donc, pas mal comme un an plus tard. Le petit nez rouge un peu, quand on va être honnête, j'ai eu quelques pleurs. c'est normal, hein, c'est tichou à mort et des fois, m'en dire maman fort. Et là, j'arrivais du yoga. Et là, j'étais toute zen. Et là, elle essaie de me mordre fort, fort, fort. Puis, des fois, je sais, je l'aime trop. Genre, je la mangerais. Puis, je sais qu'elle veut pas faire ça pour me faire mal. Mais elle, on dirait qu'elle fait juste ça avec moi. Puis, elle fait pas avec Francis. Pendant moi, je suis comme, maman fait tout. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, je me dis ça moi-même. Puis. Je sais, on lui donne plein de jouets. Au cours, on a appris genre de comme un laisser-faire, tu sais, être plate, 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 rien faire. Mais tu sais, quand elle mord le mollet puis qu'elle essaie, tu sais, comme elle gronde comme si que. Je vais manger pomme-grenade. Alors, gronde comme si c'est un lion. J'ai fait une vidéo sur Instagram un matin, c'est vraiment Molly le lion. Puis, j'ai donné une glace. C'est ça, tu sais, je la mangerais, je l'aime trop, elle est belle. Puis là, ça, j'arrivais du yoga, puis là, c'est comme elle essaie de me mordre, puis quand elle essaie de me mordre, genre, des fois, puis quand je vois qu'on dirait c'est comme un petit peu plus fort que ce que comme incident, des fois, je viens à penser à quand je me suis fait mordre, je me suis fait mordre par un chien, genre, comme... Sept ans passés, vous dites, mais c'était ma première année, non, ma deuxième année, ma première année d'uni, ouais, ça, sept ans passés, puis on dirait des fois, je suis comme un petit peu traumatisée, comme quand je vois un gros chien des fois, puis comme, je sais pas s'il est gentil, comme, j'ai de la misère, puis comme, là, comme quand Molly essaie de me mordre fort, tu sais, je sais qu'elle m'adore, là. Oui, je sais que moi, tu m'adores, hein, t'es inoffensive, toi, t'es inoffensive, maman, t'aime tellement. C'est ça tout à l'heure, on dirait qu'elle avait fait comme un grondement, ça a causé un grondement de jouer là, tu sais, je donnais pas de l'attention, sauf que c'était comme un grondement plus comme... En tout cas, que j'étais comme pas habituée, puis on dirait que ça m'a fait comme... Mon Dieu, es-tu capable de comme gronder de main, puis on dirait que ça m'a remis dans mon émotion de cet an passé. Des fois je pense à ça, puis je braille. Ça m'a comme un petit peu traumatisé, mais en tout cas... ouais, j'avais comme vraiment pas aimé mon expérience, puis ben c'est ça. Les petits chiens, j'ai pas peur, mais quand je vois un gros chien, j'ai comme la misère des fois. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu quelques larmes, regarde, la vie est belle, puis là, la vie est belle quand même, c'est juste que, regarde, on est capable d'avoir nos petits moments de pleurer, c'est correct. Puis là, Francis, il a vu, j'étais comme, il a vu, je pleurais. Puis là, des fois, il est comme, il est mal à l'aise quand je pleure. C'est correct, mais là, ouais, demain pour un an, tu vas-tu pleurer pour un an? Je fais, laisse-moi vivre mes émotions. J'ai dit, moi, je suis juste quand même. Oh my god, là il est parti marcher, ben pas là, là parce que Molly est là, mais il était tantôt, il était parti marcher avec Molly, puis là il m'a laissé, il dit, va te reposer dehors, puis j'ai dit, on va aller prendre une petite marche, puis après elle arrive pour me coller. C'est à moi, mais, vous êtes plusieurs à avoir des petits chiots là dernièrement, vous m'envoyez des messages, puis... Oh, vous avez presque vécu mon étouffement en live. Maman s'est étouffée.
Est-ce que tu m'aurais sauvé, Molly? Ouais. Genre, j'ai aspiré une pomme grenade, genre, dans l'autre bord. Oh. Mais, ouais, on est plusieurs à vivre dans la même situation, puis regarde, ben, on s'entraide, regarde, maintenant. On s'encourage, puis ça va être... On va dire que ça va être comme pour un an, hein, qu'elle va moins, si elle va faire ses dents. Mais, ouais, c'est ça. Donc, regarde, c'est des réalités, c'est des choses de la vie, puis des fois, ça le fait pleurer. Moi, j'aime. Moi, c'est quand même quelque chose que j'aime. Tu sais, des fois, je pense à des situations, puis genre, je braille, genre, je ris. Tu sais, comme je braille parce que je ris, ou comme... Tu sais, là, tout à l'heure, je disais ça à maman. Je disais ça à maman, je suis comme, moi, j'ai essayé de me mordre. Elle dit, toi, quand tu étais bébé, tu mordais toi pareil. Elle dit, on t'a master. J'ai dit, moi, je sais. Oh, il y a toutes sortes d'affaires. En tout cas, puis là, on se racontait une anecdote, puis en tout cas, on riait. J'avais mordu mon père, en tout cas, puis... Il vous dit il y a des choses puis que ça puis on en rit après là. Mais sur ces larmes, j'ai ouvert mon colis en main et je savais trop pas que j'allais avoir ça. Genre, je suis vraiment surprise. J'ai pas le 1, 2, 3. Par exemple, faudrait que je me les procure ou je pourrais. Moi, je vais me les procurer. J'allais vous dire je pourrais les louer, mais moi, quand j'ai une collection, j'aime avoir la pleine collection. Trop contente. Merci les éditeurs réunis. C'est les nouveaux chiclets de Amélie Dubois. C'est le format poche. Je sais pas si c'est nouveau ou genre si c'est juste le format poche qui est nouveau. Il y avait rien genre dans la d'habitude. Ah ben ça se peut que j'y avais trop plein d'émotions. Non, il n'y avait rien dans le paquet. Faudrait que je vérifie. Là, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Genre, je sais pas si c'est nouveau. 2014. Ok, ouais, non. Je pense pas que c'est des nouveaux parce que, mais ça, les chiclets sont déjà sortis ça longtemps. Mais je pense que c'est le format poche qui est nouveau. Ah, ben là, c'est les chiclets d'Amélie Dubois. Puis moi, j'adore les chiclets. J'adore Amélie Dubois. Mais genre, j'ai jamais lu ces chiclets. Genre, la collection de chiclets. Hey, c'est fou! Merci les éditeurs! Oh! Merci les éditeurs réunis! Puis habituellement, ils m'envoient un courriel, genre, qu'ils vont m'envoyer un service de presse. Eux, ils appellent ça. Puis là, j'ai rien reçu. C'est vraiment une surprise. Donc là, le 4, vie de couple, la saveur d'Orient. 5, soleil, nuage et autres cadeaux du ciel. Et 6, s'aimer à l'européenne. Mali Sacha, colocation d'un groupe, Sacha, rien ne va plus pour Mali. Ah, oh, ok, ça suit vraiment. Hey, trop fun, merci. Puis là, c'est le format poche. Moi, pour être 100% honnête, parce que je vais vous le dire, moi, c'est moins mon format, parce qu'habituellement, c'est ça, c'est écrit tout petit. Mais là, c'est pas si pire pour vrai. C'est tout petit, mais il y a quand même des espaces. Tu sais, je pourrais voir lire ça quand même. Mais moi, j'aime quand le livre est comme format normal, parce qu'on dirait que c'est moins dur sur mes yeux. Mais il n'y a pas trop l'air épais. Habituellement, genre, quand c'est format poche, c'est plus épais. Hein? Puis le format est comme le fun, tu sais, quand même. Puis il est tout comme... c'est comme mou. Moi, j'aime ça quand un livre est mou, genre, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, c'est comme une pizza. Tu sais, une pizza, on peut la plier, genre, mais comme... Tu sais, ça, on peut pas, là. Tu sais, c'est comme... Oh, j'ai pas rapport à des fois, là. Mais, ouais, c'est ça. Puis, vu qu'on parle de colis, gros, merci encore! Là, je lis Fausse Route et je capote. Genre, c'est les éditions Urtubis, oui, je crois. Ben, c'est la suite de En route vers Nowhere. Vraiment bon. Et, en parlant de colis, que je voulais dire? Ah, je voulais vous parler de deux choses. J'ai reçu un colis la semaine dernière. J'en ai pas parlé ici, mais j'en ai parlé dans mes stories Instagram. Puis j'ai reçu, je vais aller chercher. J'ai reçu un colis de Café Ligeois. Donc si vous suivez moindrement Vicky Fortin, Eve Labine, Marie-Pierre de Gaubriand Productions, ou Alex Hull, ou en tout cas, il y a plusieurs personnes sur Insta.
Vous devez sûrement avoir entendu parler de Café Ligeois, puis c'est une compagnie de Québec de Montréal. Puis, moi, Eve Labine, genre, moi, c'est mon rêve d'aller boire un café sur sa terrasse avec ses bulldogs, genre, oh, j'aimerais ça. Comme elle a fait des beaux cafés. Tu sais, des cafés genre de barista, de genre petit café de quartier. Comme un café genre à l'auberge avec des dessins. Tu sais, vous savez mon amour pour le Nespresso. Je capote ma vie, c'est rapide, c'est bon, c'est noum. Mais c'est pas une machine genre à espresso. Tu sais, comme eux autres, ils vendent genre des machines à comme 2000$, 1000$. Tu sais, moi, je suis pas là encore dans ma vie à avoir une machine d'espresso comme tu moules ton grain. Genre, aller le dimanche matin au café de ton coin, chercher le sac de grains de café. Genre, imagine le sentiment de satisfaction puis genre le sentiment d'adulte. Ouais, qu'est-ce que t'as fait ce matin? Ben, c'est parce que je suis allée chercher mon grain, mes grains de café pour les mouler moi-même. Genre, un jour, je vais être là, mais pas tout de suite. Puis là, Marie-Pierre de Gaubriand Productions, parce que c'est elle qui s'occupe de leurs médias sociaux, m'a envoyé un message. Puis là, genre, je capotais. Ben là, j'étais comme, oh, ben là, j'ai pas de machine. J'ai dit, moi, j'ai une espresso. Puis genre, je capote ma vie. Mais comme, je suis pas assez cool pour avoir une machine à espresso. Elle dit, ben non, ben elle dit, on a des capsules, genre, qui est comme compatible avec la Nespresso. Ben, je dis, oh, moi, j'ai la Virtuo, je suis pas la normale. Donc, à la maison, si vous avez des capsules, si vous avez la machine, genre la normale, comme l'original, elle s'appelle de Nespresso, celle qui fait des espresso, genre pas les, elle fait pas des gros cafés comme la Virtuo, vous pouvez vous commander des capsules 2. C'est vraiment genre du bon café de qualité, là. Puis, ben là, c'est certain, si vous avez des machines à espresso, vous pouvez commander 2. Et moi, dans mon cas, elle dit, oh, je vais vraiment trouver une alternative. Elle dit, aimerais-tu quand même avoir du café filtre, genre, mais du café filtre, ouais, c'est ça, du café filtre, ouais, d'espresso moulu, en tout cas. Elle dit, aimerais-tu avoir un bottom? Et moi, dans ma tête, j'étais comme un bottom, genre, ça sonne comme bottom, ça sonne comme noom, ça sonne comme noom dans mon bottom, là, j'étais comme, oui. Et là, à m'envoyer l'affaire la plus cute de l'univers, genre ça, ça s'appelle un bodum. Bodum, bodum, en tout cas, ça a l'air, c'est genre une machine italienne de café pour faire du café comme de même. Et là, il est ouvert, là, c'est moins chic, mais ils m'ont envoyé 3 sacs de même, genre je capote ma vie. C'est écrit « J'aime local, café torréfié à Montréal, il s'appelle « Lève-toi ». C'est du minois équilibré, chocolat au lait, noisette, velouté. Genre, c'est ça la vibe, là. Et pour vrai, là, j'ai fait un café cette semaine. Ça goûte vraiment le café. Genre, je me suis mis comme du lait moussé, genre, de mon mousseur. Ça avait l'air comme si je buvais un mocha. C'était vraiment bon. À ça, la fin, il y avait comme pas d'explication avec ça. Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. Puis j'ai genre compris, là, tu sais, faut que tu mets le lait, là, faut que tu mets l'eau. Après, faut que tu mets ton café, puis genre là, faut que tu le laisses comme 5 minutes de la vidéo que j'ai comme écoutée, là. Mais, pour être 100% honnête, c'est pas quelque chose que tu fais quand t'es pressé le matin. Comme la machine à espresso, que comme tu pèses bouton, tu mets tes grains, puis ça va plus vite, là. Je vois les vidéos d'Eve Labine, puis je bave, là. Puis tu sais, Vicky Vortin a 3 enfants, 1000 compagnies. Aller au bout de partout, genre elle a pas le temps d'arrêter parce qu'elle fait des cafés tous les matins. Tu sais, elle a le temps. Mais avec ça, là, t'es pressé pour aller travailler, c'est peut-être pas la meilleure alternative pour être 100% honnête. Mais c'est comme j'ai dit à Marie-Pierre, j'ai dit comme trop cute, genre si on veut aller en camping ou tu sais, si on veut comme. C'est trop parfait, là. Puis c'est certain que en l'utilisant, tu sais, je vais venir habituer, là. Mais là, pour l'instant, j'ai juste fait 2 fois. Puis, tu sais, c'était comme un processus, là. Tu sais, ça prenant du temps, genre, puis il y a un petit peu de café qui coule. Tu sais, c'est pas un long café, là. Faut que je m'attende que, tu sais, moi, je suis habituée à peser un piton, puis ça me sort un café grand comme un 2 litres, là, tu sais. Mais, quand j'ai goûté le café, c'est vraiment bon. Puis, ça goûte vraiment chocolat, c'est ça qui est drôle. J'adore. Et ce qui est merveilleux, ils sortent un e-book bientôt. E-book le 8 juillet. Là, je sais pas quand ça va sortir.
Mais ils vendent un e-book en pré-vente. Donc, je vous suggère vraiment d'aller voir les pages. Si vous êtes des amoureux de café, puis genre même si vous ne voulez pas acheter le café nécessairement, vous pouvez quand même vous procurer le café, le e-book pour vous donner genre des idées de comment faire du latte art. Puis c'est vraiment en collaboration avec Eve puis Vicky. So, comme là, Vicky fait des vidéos à voir chez Eve, puis là, Eve en montre tout comment faire, puis ça va vraiment être sharp. Je pense vraiment que ça va être nice. Puis c'est ça, je pense qu'elle va nous montrer toutes sortes de choses. Puis moi, j'aimerais bien savoir comment faire une petite tulipe ou comme un petit dessin, genre dans mon café. Là, c'est mon rêve dans la vie. Mais, une chose à la fois, un rêve à la fois. Là, je vais commencer à essayer de, comment dire, monter, améliorer mes petits talents, mes petits skills de café bedon. En tout cas, ça c'est quelque chose que je voulais vous parler. Donc, le e-book est en pré-vente bientôt. Moi, c'est certain que j'ai hâte de le visionner, genre de le feuilleter, même si c'est en ligne. Là. C'est ça qui est merveilleux d'un e-book. C'est genre comme un mini-livre. C'est comme, tu sais, un e-book, c'est comme, tu sais, des fois, il y en a d'entraînement, il y en a de manger. C'est genre comme, en place d'un gros livre, c'est comme un mini-livre. C'est comme une chanson, tu sais, à la place d'un CD, c'est un EP, c'est un petit peu de chanson. Et je voulais terminer là-dessus, justement, en parlant de e-book. Je voulais faire ma petite chronique e-book. Donc là, il y a le e-book de Café Liégeois. Puis, il y a un autre e-book que je voulais vous parler, c'est le e-book de Steph Foodie. C'est une fille de la péninsule, c'est une nutritionniste de la péninsule. Puis, elle est genre, comme populaire sur TikTok, elle fait beaucoup de TikTok. Je vous ai parlé d'elle une couple de fois, là, surtout comme dans la pandémie l'année passée, je faisais beaucoup ses recettes. Puis en tout cas, là, elle commence à être plus active aussi sur Instagram. Puis elle a beaucoup travaillé dernièrement sur son e-book, justement. Puis c'est des recettes d'été, fresh, belles, plein de couleurs, différentes. Elle a travaillé beaucoup comme le gruau, elle fait genre des gâteaux gruau, des toutes sortes d'affaires. Puis c'est son e-book, justement. Puis j'aime l'idée, c'est genre un e-book, une à deux portions. Tu sais, comme moi, ce serait parfait pour mon bébé. Des fois, on fait des recettes, elle a pu savoir que c'est d'en faire. Ou comme quelqu'un qui est seul, tu sais, des fois, c'est tannant de faire des meal prep, puis c'est tannant de faire des recettes parce que tu sais que tu vas en manger pour 20 ans, là, tu sais, c'est tannant. Mais ouais, donc je vais me procurer ça. Puis là, quand vous allez sortir, quand le vlog va sortir, il devrait être encore en vente. Je pense qu'il est 12 et quelque chose, puis là, elle vend genre 9,95 ou quelque chose comme ça. Je vais vous laisser ses liens dans la barre en bas. Mais il y a son lien sur TikTok, il y a son lien sur Insta, il y a son lien sur sa page de Tétis. Son lien est un petit peu partout, là, mais je vais vous laisser quand même. Puis ouais, il y a genre une vingtaine de recettes, ou genre, je sais pas trop, là, quelque chose comme ça. J'ai hâte de voir. Puis, toutes les recettes genre fraîches, pleines de couleurs, puis genre comme parfait pour l'été. Puis, j'avais pensé, je vais sûrement faire ça. Je pense que je vais faire une vidéo. Donc, Steph, si tu passes ici, je sais que tu passes ici des fois. Je vais sûrement faire une vidéo genre je teste le e-book de Steph Foodie ou quelque chose comme ça. J'aimerais genre faire une vidéo comme toutes les recettes. Ça, je sais pas si vous aimeriez ça, comme ça pourrait vous donner une idée genre de c'est quoi. Mais comme c'est certain, je donnerais pas les recettes là, parce que ça serait sur son e-book. Mais genre je vous montrerais comment quoi ça sent, elle ressemble genre pour comme... je sais pas, c'est comme le fun, cuisiner des affaires différentes. Ça pourrait être une chronique Ricarmine à la Steph Foodie. Alors, on sait pas. Can somebody, does somebody break your heart? Oh! J'allais vous dire, la personne qui a break my heart tonight, ben Molly, a made me cry. Mais, comme, tu sais, comment c'est possible? Comme je l'aime trop. Hey Molly! Oh, j'étais belle. La petite patte. T'es tellement belle, hein? Maman, là, maman, elle t'aime trop, hein? C'est pour ça qu'il faut pas que tu mens, maman, parce que maman, elle fait tout pour toi. Maman, elle t'aime tellement, là. Maman, elle t'aime tellement, là. Je t'aime fort. Je t'aime fort. Je t'aime gros comme l'univers.
Je t'aime gros, gros, gros. Je t'aime, tu es moi, tu es trop belle. Oh, j'ai pitié. Pitié que tu es belle. Ouf, maman, tu vas me laisser tranquille avec ta caméra. Oh, tu es fatiguante, maman. Ah là là, pitié d'un petit mouton. J'en ai perdu sur la prairie, là. Comme ça a l'air d'une petite biche égarée, là. En tout cas, c'était mes petits e-books, c'était mes petites choses que je voulais vous montrer, puis vous dire, vous laisser savoir. C'est tout le temps fun d'encourager des compagnies. Puis là, surtout, cette foodie, elle vient d'ici, puis du café de Québec. Où c'est papa qui est allé? Sinon, tu l'aurais vu, elle était couchée. Les quatre pattes toutes collées à terre, elle avait l'air d'un mouton mort. Oh! T'as-tu peur? Papa est comique, hein? Papa arrive, on va écouter une émission, on va écouter un que quand je parlais. Pas longtemps, t'en as deux autres, là. Ouais. Viens me coucher. Hein? J'ai entendu aux amis du blog que j'avais pleuré. Pas le temps. Ah, si, je pleure tout le temps. On va s'habituer à arrêter, hein? Ouais, c'est ça. Je vais être une grande fille maintenant. C'est juste par le temps que je comprends. C'est même pareil. Oh oui. C'est gros comme la table. Oh, il y a un petit mon amour. Mais c'est ça. Donc je vais vous laisser ici. Un gros merci d'avoir été avec moi pendant ces deux jours ici. Et je pense pas que je vous ai beaucoup jasé par exemple de vive voix. J'espère que le vlog va avoir un rapport dans un sens. Mais là ça fait 20 minutes que je vous jase. Donc j'espère que je vous ai pas jasé. Il n'y a pas d'allure. Il n'y a vraiment pas d'allure. En passant, si vous n'avez pas suivi la trend de Pomme Renard, de les vlogs de Vanessa, de Claudage, de Kim Demers, je sais pas, genre, qu'est-ce que vous attendez. C'est tellement bon. Genre, si vous aimez les pommes grenades, mais comme à quel point c'est étonnant ouvrir une pomme grenade, comme ça vous prend les sacs de pommes grenades du choix du président. Je vous le mettez dans un bol, vous attendez un petit peu, genre, qu'il dégèle et non. Ou, vous mangez bien, j'ai comme moi. Mais, c'est ça. Donc, un gros merci d'avoir été avec moi encore. Et je vous souhaite une bonne, probablement, début de fin de semaine. Et je vous souhaite du soleil parce qu'en fin de semaine, il y a 70 mm de pluie. Donc, je vous souhaite du soleil quand même. Et je vous souhaite que tout se passe bien. Puis même si il y a des petits moments qu'on pleure, mais c'est correct, hein? We got this. Oh, j'arrive. We got this. We're strong. We're beautiful. We're everything we want. Puis là, je suis rendue une anglophone. C'est comme je pense vraiment, OK? Quand je suis anglophone, c'est parce que c'est vrai. Ok, j'ai pas d'allure, mais pour vrai, un gros gros merci, puis on se revoit super bientôt. Ok, à chante.